Bienvenue à tous, tout le monde dans une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, j'ai été voir le film Élémentaire, le nouveau film de Pixar. Et on va en parler dans cette critique. Bien sûr, pose-toi, prends, va pas dormir, mais regarde cette vidéo, voilà. Hop, pire intro, c'est parti. Sans spoiler! Déjà, je trouve que déjà le film est extrêmement beau. Le développement de personnages et tout ça, c'est. Il y a pas mal d'émotions, surtout avec la boutique. Oh là là, non, on commence pas à spoiler. Donc voilà. Je trouve aussi que les décors et tout ça, ça et la pâte artistique, je trouve qu'elle sent un peu des autres films Pixar. Donc voilà. Maintenant, on rentre en partie. Spoiler! Oh non, spoiler, voilà. Donc, du coup, au niveau spoiler, déjà le film, il est très touchant. Alors, en fait, ça nous parle que, en fait, déjà, on va déjà parler de ses parents. Ses parents, surtout son père, ils sont contre les aimants du feu et de l'eau, ils ont quitté leur terre natale, Fireland, pour habiter à Elementing City. Et je trouve ça ultra touchant, en fait, voilà. Et par contre, le père un peu bougon, aussi, il est malade. Et aussi, il y a aussi un truc avec la flamme bleue et tout ça, donc voilà. Et par contre, ouais, la boutique et tout ça, ouais. Il y a même aussi des heures de boulettes de feu et tout ça. Ça doit être dégueulasse. Donc voilà. Ensuite, du coup, bah, il y a. Du coup, bah. Ensuite, elle commence en flamme. Alors, flamme. Flamme et Flag, c'est trop bien. Peut-être l'un des couples les plus. Bon, surtout à la fin où Zori s'embrasse après. Après la scène avec la guerre et tout ça. En fait, tu vois les ans envers le peuple du feu, la boutique et tout ça. En vrai, c'est un peu des gros racistes. Non, mais c'est vrai parce que ils veulent. En fait, il y a une scène où genre, ils ne veulent pas accueillir des feux trop puissants. Mais c'est un peu vrai. Mais ouais, j'ai pensé, mais en vrai, c'est vrai. Donc, ouais. Et du coup, trop bien ce coup. Et à la ouais non donc voilà concernant Flag en fait c'est un ouais non mais par contre au début en fait elle sait pas gérer sa colère elle fait tout exploser ça voilà et après Flag est aussi en fait c'est un inspecteur et tout ça il est trop drôle et du coup bah aussi d'ailleurs en parlant de ça franchement moi il y a aussi le truc Mads de les mecs, c'est un peu de Wakers, voilà. Ça ressemble, un peu d'ailleurs, je trouve, un peu au basket, ou un peu au basket, un peu. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Voilà. Mais sinon, sa famille, tout le temps, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ça me fait trop rire tout le temps, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et ensuite, du coup, la fin du film, en fait, Flamme décide de ne pas reprendre la boutique de son père. Elle fait le truc de révérence du peuple du feu et tout ça. Puis ensuite, elle part vers son nouveau métier avec Flack. Et ensuite, le film se finit comme ça. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment pas mal d'émotions. Donc, ouais. Il y a vraiment eu pas mal d'émotions et tout ça. Et aussi, il y a aussi genre, les trucs, les fleurs aussi. Les fleurs, c'est trop bien fait, les fleurs. D'accord, aussi ses pouvoirs, elle peut contrôler les cristaux, tout ça, c'est waouh, trop trop bien. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va parler du coup de mon avis final. Mon avis final, je pense, sans m'avancer. Je pense que ça me fait peut-être partie, je pense, de la 18e place de mes films Pixar préférés. Parce que c'est beau,
Ça a des passes artistiques et tout ça extrêmement jolies. L'histoire, la fin, elle est très touchante. Tout ça. Sinon, d'ailleurs, petit truc, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir pour vous forger votre propre avis, je vous le rappelle. Donc voilà. Et sinon, ouais, je lui mets un 17 sur 20. Voilà. Donc aussi, allez le voir par vous-même. Et voilà. Bon, et ben, bah, ouais, c'est bon. Du coup, bah, si cette nouvelle vidéo t'a plu, like, partage, commente et abonne-toi, c'est Adax. Ciao les Aïssoum. Allez voir le film, il est bien. Et faites-vous votre propre avis, c'est la troisième fois que je le répète en moins de 2 secondes. Bisous!